Alors, comment ça s'est passé à l'école, les filles? C'était très intéressant. Nous avons parlé de notre impact sur la communauté. Ça me donne envie d'aider les autres pour faire une vraie différence. Excellente idée. Et tu sais, ensemble, nous pourrions avoir un impact encore plus important. Rien ne vaut le travail d'équipe. Et si on fondait un club? Oui, ce serait génial. Un club pour aider les autres. Comment s'appellerait-il? Pourquoi pas le Club Solidarité de Skipper et ses sœurs? C'était pour rire. Club Solidarité, ça sonne bien, je trouve. Le Club Solidarité de Malibu! Alors, quel sera notre premier projet? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ce terrain public est abandonné depuis des années. Oh, oui, il n'y a que des déchets répandus partout. Tout à fait. Alors, qui parmi vous se sent inspiré? Moi, moi! On pourrait avoir un impact en rendant cet endroit formidable. Oui! Oui. Unissons nos idées. Que pourrions-nous imaginer pour améliorer cet espace? Pourquoi pas un jardin? Oh, oui, j'adore! Un jardin peut fournir nourriture, beauté et convivialité à tout un quartier. Mais quel genre de jardin allons-nous pouvoir faire, selon vous? Moi, je sais! Un jardin de papillons! Des papillons partout, vous imaginez, ce serait magnifique! Oh! Ce ne serait pas merveilleux si les gens pouvaient venir dans notre jardin pour se réunir et s'amuser ensemble? Oh, oh! On ferait des concerts! Et pourquoi pas un jardin avec, vous savez, des choses de jardin, comme des fruits, des plantes et des légumes? N'oubliez pas! Le Club Solidarité de Malibu est basé sur le travail d'équipe. Nous ne devons absolument pas choisir un seul style de jardin. Nous pouvons faire les trois. Cool! Génial! Mais nous aurons sans doute besoin d'aide. Notre jardin partagé est fantastique. Oh, je suis tellement impatiente de commencer le concert d'inauguration de ce soir. Qui veut un Anka? J'ai les rafraîchissements. Bonjour à tous. Les quatre fondatrices ici présentes du Club Solidarité de Malibu sont ravies de vous souhaiter la bienvenue dans ce jardin communautaire. Nous espérons que vous passerez un aussi bon moment que nous quand nous l'avons aménagé. Une façon géniale d'avoir un impact. Ah, et aussi de s'amuser. Nous avons été très occupés, mes sœurs et moi, dernièrement. Chelsea a fait une fête extraordinaire pour son anniversaire et nous avons fondé le Club Solidarité de Malibu. Alors, je voulais faire quelque chose de spécial qui nous amuserait toutes les quatre et qui ferait également une différence pour notre communauté. Voilà pourquoi j'ai proposé que nous parrainions un show abandonné. Mais chut, ne le dites à personne, c'est une surprise. Je vais ouvrir. Non, non, moi. D'accord. Non, moi, je vais ouvrir. Bonjour. Vos chiots de parrainage sont arrivés. Quatre petites sœurs pour les quatre sœurs Roberts. Waouh, ce sera parfait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé que ce serait bien de parrainer un chiot abandonné dans le cadre du Club Solidarité de Malibu. Oh oh, j'ai eu la même idée. Et moi aussi. Et moi aussi. Plus vite nous trouverons leur famille pour la vie, mieux ce sera. Et en attendant, je suis sûre que vous serez de merveilleuses marraines. Je dois filer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les grands esprits du Club Solidarité se sont rencontrés. Oh, regardez-les! Ils sont tous mignons à croquer! Non, 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 non! Oh, pas de friandises pour les humains! Oh. Hé, hey, ce sont mes ours en peluche! Lâchez le pauvre petit Kelsey! Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils ont beaucoup trop d'énergie! J'ai une idée! Organisons une fête de chiots! Oui! Si nous organisons une grande fête et que nous la mettons sur le vlog, beaucoup de gens voudront les adopter. Et nous aurons de bien meilleures chances de trouver pour eux la meilleure des familles pour la vie.
Regarde-moi ce fabuleux gâteau en forme d'os. Et il est plein de délicieux ingrédients pour Chio, bien sûr. Oh, ils sont tellement craquants avec leur petit chapeau de fête. La plus belle fête des chiots du monde entier. Voilà, le vlog d'adoption de la fête des chiots est en ligne. J'ai une super nouvelle. La fête des chiots a eu tellement de succès que nous avons trouvé des familles pour les 4 chiots, ni plus ni moins. Ces petites ont un bel avenir devant elles grâce au club Solidarité de Malibu. Vous voulez parrainer d'autres chiots dans un proche avenir? Oui, volontiers. Mais un chiot à la fois, je crois que ce serait peut-être mieux. Oui, peut-être.